Du 30 novembre au 2 décembre prochain, la région de Bunkani va vibrer au rythme de ses valeurs culturelles, gastronomiques et touristiques, issues à travers le festival des danses traditionnelles de Bunkani. Mais avant ce rendez-vous, un avant-goût de cette ambiance au lancement de ce festival dénommé le Festibo. Cette cinquième édition du Festival des danses traditionnelles de Bunkani est placée sous le signe de la cohésion et du développement, d'où le thème femmes et développement local. Le président du conseil régional de Bunkani, Hien Philippe, et le commissaire général du Festibo ont promis des innovations. Innovations pour promouvoir davantage le riche patrimoine culturel et touristique des peuples de la région de Bunkani. Nous aurons nos circuits touristiques d'habitude, mais cette année on change un peu parce qu'on traverse la frontière avec nos invités. On va au Ghana voisin pour montrer notre souci de vivre en harmonie avec nos voisins pour la paix dans la sous-région. Nous avons décidé cette année de faire une pause, de s'arrêter pour voir ce que nous avons fait ces cinq dernières années, ce qui a été bien fait, ce qui a parfait, ce qui a reprendre, ce qui a complété. Et donc les troupes vont prester, mais il n'y aura pas de compétition en tant que tel, il n'y aura pas de vainqueurs, donc pas de vaincus. Toutes les troupes sont gagnantes. La ministre Maria Toukone, marraine de cette édition, a félicité les fils et filles du Bunkani pour leur volonté à booster le développement de leur région à travers la culture. Elle a également saisi l'occasion pour exhorter le peuple de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire à promouvoir davantage la cohésion et le vivre ensemble, malgré les divergences politiques. Je compte beaucoup sur le Festibo, car il est un canal véhiculer les valeurs de paix et de cohésion sociale. Comme le sport, la culture rassemble. Comme le sport, la culture rapproche. Alors, chers frères et sœurs de Bunkani, mettons-nous ensemble, malgré nos différences, pour bâtir nos régions, pour bâtir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire forte. Le Festival des danses traditionnelles de Bunkani est à sa cinquième édition. Une nouvelle édition qui va aborder plusieurs thématiques, dont le développement durable avec le parc national de la Komoué et les campagnes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. Un rendez-vous culturel qui est en train de s'établir véritablement sur le calendrier culturel ivoirien.